Au programme cette semaine. La semaine dernière, vous avez vu que la filière cheval n'était pas très très contente de la nouvelle loi voulue par Michel Sapin. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Ils ont organisé une manif à Paris, embarqué sur mon sulky. Là, on est à Porte Dorée, un peu avant que tout le monde arrive pour la manif. On voit les policiers qui sont prêts à intervenir. Si jamais il y a des chevaux qui viennent avec des cagoules, qui mettent des coups de sabot dans les vitrines, on n'est jamais à l'abri. Là, de ce côté-ci, les gendarmes. C'est si jamais il y a des Shetland qui arrivent par derrière, tu vois. Les Shetland, c'est petit, mais c'est furé. Voici le taxi de Madame Hidalgo. C'est le cheval libre, comme le Vélib, mais en ouais, cheval. Ça pollue pas, au moins. Vous n'avez pas l'habitude de manifester, monsieur ? Dans le monde du cheval, je crois que c'est la première fois. C'est ta première manif ? C'est ta première manifestation ? Ouais. C'est ta première manif, à toi aussi ? Ils ont tous des maillots différents. Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. Une nouvelle vague de manifestants arrive. Il y a quelques centaines de personnes, mais selon le porte-parole de Fillon, ils sont plus de 300 000. C'était une erreur. Le départ de la course est imminent. Allez, on retient son souffle, on espère que ça va bien se passer, bien sûr, pour tous les protagonistes. Si ce maudit canasson emportait cette course, ça renflouait ma bourse et noierait le poisson. Si ce maudit canasson emportait cette épreuve, peu importe qu'il pleuve, ça saurait la saison. Voici les racailles de la manif cheval. Yo, t'es garé où ? Ça, c'est la tenue de la racaille. C'est comme au foot, il y a le clap. Je suis avec Thibaut Lamer, le porte-parole des jeunes professionnels de la filière cheval. Ça a donné quoi l'entretien à Bercy ? On aboutit. Suspension. Derrière, tout le travail reste à faire. Faut pas se voler la face, mais aujourd'hui, les portes de l'abattoir se sont refermées. Le cheval, c'est génial. Fédération française d'équitation. Le cheval, c'est trop génial. Naturellement, il y a Findus. Findus. Une auto-école de la région parisienne a aidé ses élèves à tricher pour avoir leur code. Là, t'as un petit micro qui envoie les questions vers l'extérieur. De l'extérieur, on te répond et les réponses arrivent par là, dans ce petit haut-parleur qui est là. Alors, tu fais attention de bouger les lèvres en même temps que tu entends la réponse. Les boîtiers utilisés pour l'examen du code de la route vibraient pour indiquer la bonne réponse. Voici quelques élèves qui révisent. Death is a passionate kisser. Can I bite your lips to your tongue? Question, où est le boîtier? Les élèves devaient payer 1500 euros pour obtenir l'équipement miracle. Plus de 300 personnes ont bénéficié de cette escroquerie. Voici les conséquences sur la route. C'est ça, c'est bon, c'est une vraie manif, il y a un drapeau breton, mais bon.